Il parle à tout le monde, rien de surprenant à cela. Il aime les gens et ses visiteurs lui rendent bien. Réal Massé, un personnage mythique, pour ne pas dire légendaire, bien qu'il soit toujours vivant. Ma femme, oh oui, ben tant Marouette, bravo, bravo. Combien? 92. 92. Toutes mes félicitations, M. Drysdale. Incroyable. Toutes mes félicitations. Oui, M. Champagne, êtes-vous là, certain? Ben, je ne sais pas, là. D'après moi, oui, vous devriez être là. Parce que votre verre est dans l'eau, il va être pendant 12, 15 minutes, 20 minutes, votre verre va grouiller comme ça. Bon, fait que là, moi, je dis toujours, vous allez donner 50, 75 pieds de corde, pas plus que ça, tranquillement, t'es en surface. Elle montrait celle-là, là, en arrière. Ouais, là. C'est ça, là. Oh! Mais il n'y a pas aussi. Elle bouge encore. Prenez-la dans votre main, là. Hey, ça n'a pas de sens. Félicitations, boss. Merci, merci. Une belle truite, ça. Oublie pas, t'es au réseau des sports. Richard! C'est bon, c'est bon. Doucement. C'est bon, ça. C'est bon. Super. Okay, belle, belle. Et voilà. Félicitations, André. Merci. C'est une bonne moyenne. Trois verres, deux truites. C'est bon, ça. Pendant 12 mois, jusqu'à l'été prochain, je passe à toi une fois par semaine. L'art de mettre les gens à l'aise découle de ce charisme qui lui est propre. Ce personnage possède une réputation solidement établie dans le milieu. Toujours souriant, poli, affable, chaleureux, il sait être présent et offrir un accueil personnalisé qui fait la différence. Tout le personnel veille à rendre le séjour à la pourvoirie au pays de Réal Massé mémorable. Elle est vivante, hein, quoi. Et voilà! Et encore un autre, mon André. D'aller lever le poisson un petit peu plus haut. Alors, je voulais prendre quelques photos de plus, je ne dirais pas non. Oui. Oh! Baisse un peu, je pense, non? C'est beau! Bon. Hey! Ah là, c'est ça, c'est une belle pièce, là. C'est réellement ça. Youhou, la loutre! Youhou! Depuis des lunes, c'est bien connu, l'ensemencement joue un rôle très important chez Réal. Deux fois par semaine, le pisciculteur vient ensemencer les plans d'eau de la pourvoirie. Depuis maintenant 18 ans, le même individu, dont l'expérience en la matière est de 29 ans de métier, se présente à la pourvoirie pour maintenir cette qualité de pêche reconnue à Réal Massé. Les truites, de 1 à près de 2 kg, qu'il prend environ 2 ans et demi à produire, viennent grossir les effectifs déjà présents dans les lacs de la pourvoirie. Les truites sont gardées en enclos environ une demi-heure, le temps qu'elles s'acclimatent à l'eau du lac, avant d'être libérées. De nombreuses personnalités rendent visite à l'homme à la moustache et en profitent généralement pour se faire tirer le portrait en sa compagnie. Le fils, caricaturiste de métier, de ce vétéran singulièrement médaillé, tire quelques lignes sur le papier pour immortaliser en humour cette rencontre mémorable en ce jour d'anniversaire. 92 ans aujourd'hui, M. Delastey. 92 aujourd'hui. Bienvenue au pays de Réal Massé. Et aujourd'hui, nous allons prendre la plus belle prise. L'une des grandes fiertés du pourvoyeur, c'est la salle à manger et les repas gastronomiques qu'on y propose. Les petits déjeuners sont au choix, alors que les soupers rehaussent la qualité de l'auberge et donnent le goût d'y revenir régulièrement. C'est assez grosse, là. Une multitude de forfaits crée le menu des propositions intéressantes de la pourvoirie au pays de Réal Massé. Au nombre des nombreuses activités, la pêche à partir d'un ponton offre la possibilité sur le plan d'eau en face de l'auberge d'être confronté à des truites de très grande taille. Ah, qu'est-ce qu'il va mettre, ça? Ouais, ouais. Ça prend le temps de t'asseoir. C'est la haute définition. Ouais. Oh, 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 oh! T'es sûr que t'as pas pogné le fond? Hein? Oh, tabarouette! Ça va, le vide! Il veut pas venir, là! Hey, grand! Au filet! Oui, oui. Si les montagnes qui bordent les lacs de ce territoire pouvaient parler, elles en auraient pour des décennies à raconter toutes les anecdotes qu'elles entendent et voient à travers les saisons.
Ici, les cannes à pêche se courbent sous le poids et la vigueur des truites qui mordent bien à l'hameçon. Les trophées abondent et font le bonheur de ceux et celles qui les capturent. Ce n'est pas tous les jours que l'opportunité d'exhiber un aussi gros poisson nous est donnée en territoire sauvage. Belle couleur, limoneux à souhait. Je cachais des jours. On va le mettre une note, là, puis on va... On va te regarder sortir, on va en profiter. Filet, là! L'œil devant le filet, là! Oh! Oh. OK! OK, on arrive prêt. Peu d'endroits au Québec voient autant de gens heureux de se faire photographier avec leurs poissons trophées. Bien, mes chers amis, aujourd'hui, j'ai une très grande surprise. Madame Louise Deschâtelet qui visite la Bourvoyou puis Galéal Massé pour la première fois. Pour la première fois, oui. Elle a des invités. On va lui faire un petit cadeau ce matin. On va l'emmener au lac à la loutre. D'accord, ça vient tranquillement. Oui. Oui, elle revient. Elle revient. Elle va chercher de la profondeur parce qu'ici, il y a 25 pieds d'eau en bas du quai. Et vous faites toujours attention, pas attention, parce que ça va se soigner sur lui. Oups, donnez un coup sec, un coup sec, un coup sec. C'est beau. On roule. Mais c'est pas déjà un poisson. Hey, oui, il y a quelque chose. Oui, madame. Oui. Et Seigneur, il s'en va par là, là. Il s'en va à droite. OK. On roule. Qu'est-ce que je fais? Vous bougez plus, c'est ça. Voilà, madame. Votre première prise à vie, probablement. Vos pinces de chirurgie. De chirurgicaux. Je vais prendre mon hameçon qui est juste en bas du fil. Tranquillement. C'est bon. C'est impossible de ne pas toucher à votre poisson, là. Non. C'est possible. Je vais prendre votre manche. Vous allez passer vos doigts en dessous des miens. C'est énervant. Je ne suis pas capable de tenir ça dans mes mains, moi. Il le faut. Absolument. Non. Je vais vous aider. Non. Je vais vous aider. Il faut faire un effort. On y va. Non, je suis pas capable. Une belle mouchetée. Champion. Hey, elle a pas aimé ça, le bec. Non. Bravo. Là, votre cuillère, elle était pas près d'une vingtaine de pieds d'eau. D'accord. Ah, aussi craque que ça? Oui, quand on fait rio, là, ça va mordre. Quand ça a fait trois tours, donnez un coup sec. Voilà. Bravo. Vous l'avez. Vous avez une très belle truite, madame. Un beau mâle, madame. Comment vous le voyez tout de suite que c'est un mâle, vous? Parce qu'il y a un crochet, je vais vous le montrer. Le tour de la bouche, c'est pointu ici, c'est en pointu. Ouais. Quand c'est une femelle, c'est rond. Ça va être rond comme ça. Et les couleurs, moi, je l'ai reconnu tout de suite par les couleurs au départ. Parce qu'il va commencer à rougir. Là, il vient la bédaine ici, là, ça va tourner rouge. Au mois de septembre, c'est complètement rouge. Et... Ah, il change de couleur? Oui, il change de couleur, oui. Quand ça se prépare pour la fraye. Par centaines, des photos sont prises tous les jours au pays de Réal Massé. L'homme, quant à lui, passe beaucoup de temps avec ses visiteurs. Femelle. Tout à l'heure, j'ai su où ça, c'est une femelle. Ouais. Regardez comment c'est beaucoup plus rond. Ah, oui. Regardez, il y a moins de couleurs elle aussi. Elle est moins colorée elle que le mâle. Exactement. C'est dans la vie, c'est comme ça. Dans son regard, dans les oiseaux. C'est toujours le mâle. C'est toujours le mâle qui est le plus coloré, le plus beau. Yes. Wouhou! Une belle à part de ça. Déjà, vous voyez ça d'ici? Voilà. Oui, avec le crochet. Voyez-vous, là, attendez, regardez, là, vous vérifiez votre manche. Attendez, un bon coup sec. Et voilà, ça, c'est un secret. Bravo. Voilà. Et là, il était temps de ferrer quand vous avez donné votre coup sec. Oui. Allez, ferrer juste sur le bord de la bouche, OK? Là. On roule plus. Et voilà. Quand je suis arrivé ici, moi, au départ, j'avais 5 brasseries puis 6 restaurants dans des centres d'achat. Et quand ils ont commencé à parler de la loi 0.08, 85-86, j'ai décidé de vendre toutes mes brasseries. J'ai dit, je vais m'acheter une petite pourvoirie, je prends ma retraite. Je vais faire un peu de pêche. Un peu de pêche l'été, un petit peu de chasse à l'automne,
puis je vais aller jouer au golf l'hiver en Floride. Je peux-tu vous dire que je joue pas au golf? Hey, hey, elle est belle, Louise, c'est beau, Louise. C'est la plus grosse, Louise. Plus grosse que les autres? Ah oui, oui, oui. T'as facilement 2,5 livres, 3 livres, là. Pas loin de 3 livres, là. C'est pas une histoire de pêche. Non, non, c'est du vrai vécu, là. En effet, mais beaucoup de belles histoires de pêche sont inspirées par la pourvoirie au pays de Réal-Massé. Toujours souriant, affable et accueillant, Réal Massé reçoit tout le monde sur son incomparable territoire de pêche avec une mansuétude peu commune. Hey, hey! Ah, ouais. Hey, c'est dégueulasse! Hein? Wouh! Hey, wow! Hey! Ah, bon, non! Faut faire un effort. On y va. Ah! C'est assez grosse, là. Dans le confort inégalé de la pourvoirie au pays de Réal-Massé, le pêcheur à la mouche y trouve son nirvana. Le lac Clair, en face de l'auberge, abrite entre autres de très grosses truites arc-en-ciel. Tous les ans, environ 12 000 truites de cette espèce, dont le poids varie entre 1,3 et 2,25 kg, y sont introduites. La truite arc-en-ciel saute, elle ne saute pas. C'est une bonne combative. Ce poisson extrêmement combatif, surnommé Steelhead, tête d'acier, fait le bonheur de tous les fervents de pêche à la ligne. Des heures et des heures de plaisir assurés avec ce salmonidé impressionnant. C'est assez grosse, là. Au pays de Réal-Massé compte 18 lacs répartis sur son territoire et annuellement, environ $500,000 en truites y sont investis. Réal-Massé a rapidement compris que ce que veulent les sportifs, c'est prendre du poisson et réaliser une pêche de qualité. Oh, je pense que c'est encore plus gros que tantôt, hein? Ça, c'est du poisson. Surveillez attentivement cette mouche. Yes! Hey! Wow! Pour vous accueillir, 24 chambres, 18 chalets, ainsi qu'une salle à manger où les repas servis sont dignes des plus grandes tables, assurent une très grande notoriété à la pourvoirie au pays de Réal-Massé.